seashells on the seashore. The sticky taste of salt on her twisted tongue. She closes her eyes and opens her mouth. In a split second, she's crossing the distance. Between sh and s. Between sea and shore. Between stop and go. Between yes, you are, and no, you're not. C'est un film essai et c'est un film qui met qui parle de la relation très complexe entre la voix ou plutôt la prononciation d'une langue et l'identité. Et plus précisément, c'est un film qui part d'un test linguistique qui s'appelle Shibboleth, ou historiquement ça s'appelle Shibboleth. Et qui est censé définir l'origine de la personne, le groupe d'appartenance d'une personne, et via la manière dont il prononce et où il émet le son de son langage. On peut aussi dire que c'est un film sur des frontières invisibles qui sont incrustées dans notre appareil vocal. Ainsi que sur des frontières géographiques, politiques. Every sound is a potential checkpoint. Crossing is not guaranteed. So if I were to be tested on language to establish my own origins the first 25 years of my life, it would be very unlikely to confirm the story I've just told you. Ce qui était, je pense, ce qui était le plus important pour nous, c'est qu'il y aurait une sorte de visualisation, que la voix soit présente visuellement dans le film. Et c'est ça qui nous a fait choisir une méthode et pas une autre. Each color in the spectrum has its own individual wavelength, just as each note on the piano has its own sound or wavelength. You can't play all the notes on the piano at the same time and arrive at anything. Il y avait ces moments-là, donc la genèse d'Arc-en-Ciel. Il y avait aussi la genèse de, enfin, le moment où on a trouvé les categorical perception. Mm-hmm. Donc categorical perception, c'est une sorte de mode d'emploi qu'on utilise tout le temps et dans notre réflexion, donc ouais. ça veut dire que... Tous, pas nous. Oui, oui. Tout le monde. Tout le monde. Donc ça veut dire, dans les cas d'arc-en-ciel, on dit, bon, il y a sept couleurs dans l'arc-en-ciel, mais il n'y a pas sept couleurs, il y a toute une gamme de couleurs. Il y a des millions de couleurs. Mm-hmm. Mais nous, on n'a pas la capacité de pouvoir aller distancier, même linguistiquement, on n'a pas la capacité de décrire toute cette gamme. Donc, ce qu'on fait, bon, on fait des catégories. On fait des catégories, donc on réduit notre monde, comme la voix humaine qui est capable d'émettre tous les sons dans le monde, bah, potentiellement, et qui, à l'âge de 6 mois, va catégoriser et va réduire la cavité vocale et par rapport au son que le bébé a entendu. Donc, il y a une sorte de rétrécissement vers quelque chose qu'on peut contrôler. Ce qu'il y a, c'est qu'on crée des catégories, même involontairement. Oui, tu me demandes c'est quoi ces couleurs, quelle couleur c'est, je vais dire, bon, soit brun, orange, jaune, ça dépend de mes catégories, les catégories que j'ai fixées dans mon cerveau. Et c'est la même chose, si la personne vient de cette région, on doit parler comme ça, donc soit cette personne entre dans la catégorie ou pas. Et donc c'est la même couleur avec les... C'est une question des perceptions, finalement. Mm-hmm. Et aussi, plein de difficultés de prononciation viennent en fait des difficultés, ou pas difficultés, mais viennent de notre système de perception. Parce que si moi, en arrivant ici, je n'ai pas entendu la différence entre « e » et « e »,
parce que dans ma langue, ça n'existait pas. Donc pour moi, tous les deux étaient et je n'ai pas compris comment ça se fait qu'en français, il y en a trois différents ou même quatre. Comment, pour moi, c'est tout un son. C'était tout moi, un je son faisais parce toujours. Que c'est la seule catégorie que j'avais. Genau, was man jetzt hier sieht, die beiden Sensoren an der Lippe, Oberlippe, Unterlippe. Und hier die drei, die auf die Zunge geklebt haben. Hier die Zungenspitze und hier am hinteren Zungenrücken. Und jetzt können wir bei der Artikulation sehen, wie sich genau, die Zunge beim Sprechen bewegt und entsprechend die Lippe auch je nach Kieferwinkel auf und zu geht oder bei Lippenrundung so ein bisschen nach vorne stülpt. Il y a aussi la question de réel ou pas réel. Donc l'identité construite, est-ce qu'elle est réelle? Quand si j'arrive à parler une autre langue d'une manière parfaite, est-ce que je cache mon identité ou est-ce que j'élargis mon identité? Est-ce que ce n'est pas moi, c'est moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je triche ou pas? Les filles ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.